De 11 millions de personnes, nous avons déjà 2 millions qui sont dans l'exclusion, la pauvreté, le chômage. Et ça me paraît être suffisamment alarmiste pour justifier que la bataille, ou que moi j'appelle la guerre contre le chômage, l'exclusion, la pauvreté en Tunisie, soit une véritable guerre. Et je me réjouis d'ailleurs que enfin le président actuel et le Premier ministre actuel ont repris ces mots en déclarant eux-mêmes la guerre à la pauvreté et au chômage. Depuis la mi-2009, j'étais en relation et je travaillais avec le gouvernement tunisien, donc le Premier ministre et les ministres de l'époque, sur des projets visant à créer de l'emploi pour les chômeurs diplômés du supérieur et restructurer l'approche économique de la Tunisie. Dans le cadre de ces travaux, j'ai pris conscience de la gravité de la situation qui était très largement occultée par l'ancien régime. Et en prenant conscience de cela, j'ai commencé à mettre en place dans mon esprit une façon d'aborder cette guerre, parce que mon métier était de résoudre, on va dire, des gros problèmes et de proposer des approches concrètes. Et donc j'ai commencé à écrire ce livre en mars de 2010, une fois que la révolution avait été déclenchée, alors que j'avais été très verbal et vocal pendant l'année 2010 sur le fait que nous étions assis sur une bombe sociale, je l'appelais comme ça. Et donc j'ai fini par coucher ces idées dans ce livre, et notamment j'ai voulu le faire suffisamment tôt pour que la myriade de partis qui étaient en train de se constituer, qui n'avaient jamais vraiment réfléchi dans sa globalité à la problématique tunisienne, qu'elle soit économique, sociale, mais mon livre parle aussi d'institutions politiques, de la place de la femme dans la société tunisienne et de l'éducation, de façon à ce qu'ils puissent s'en inspirer dans leur programme, et ça a été le cas. Donc mon livre, de fait, était le premier programme qui a été écrit pour la Tunisie. Mon livre se découpe selon cinq batailles. En fait, je déclare la guerre d'abord au chômage et à l'exclusion. J'essaye de faire prendre conscience à mes concitoyens et puis nos partenaires historiques ou nouveaux partenaires du sens de l'urgence de ce problème que nous avons en Tunisie. Et je décline cinq batailles. La première est une bataille économique, une véritable révolution économique, dans laquelle je cite par exemple des nouveaux secteurs dans lesquels la Tunisie devrait commencer à se distinguer. Par exemple, les services à l'export, qu'on appelle l'offshoring, par exemple l'infrastructure verte, la restructuration de notre tissu industriel historique, par exemple la création d'un service civil pour les jeunes, par exemple le développement du secteur associatif qui est très générateur d'emplois, etc. Donc il y a des propositions extrêmement précises de secteurs, de types de métiers, avec quels sont les clients potentiels pour pouvoir relancer la machine économique et ainsi que l'état d'esprit avec lequel on devrait relancer cette machine. En fait, mon livre est une guerre de mentalité avant tout. C'est une guerre contre une certaine culture qui s'est enracinée en Tunisie pendant même plus que 23 ans. Moi, je dis que ça fait à peu près 40 ans que nous avons une certaine culture qui s'est enracinée, qui nous a empêchés de rêver, qui nous a empêchés d'imaginer notre pays comme étant un pays qui fait partie du concert des grandes nations de ce monde et qui nous a fait penser que notre pays était juste un tout petit pays. Et aussi dans lequel nous nous sommes enlisés dans une certaine lenteur et une certaine complaisance économique, sociale et culturelle que j'essaye de combattre dans mon livre. Alors effectivement, mon livre, je l'ai dédié à nos enfants de la Tunisie, et parce que c'est un livre pour les générations futures, ça va mettre au moins une génération pour que nous puissions transformer la Tunisie dans un nouveau modèle politico, socio, culturel ou économique qui puisse lui permettre de, comme je dis, ne plus faire partie des strapontins des nations du monde. Pour la jeunesse, notamment, je passe beaucoup de temps avec eux dans les universités, je donne une conférence ou deux par semaine dans les universités en Tunisie, pour leur parler la traduction de ce livre pour eux au moment où ils sont de leur vie, c'est-à-dire prochains diplômés ou récents diplômés. Dans quel métier devraient-ils essayer de s'orienter? Comment maximiser leur employabilité?
comment imaginer le monde d'une façon différente en termes d'opportunités, l'esprit d'entreprise. Mais j'axe beaucoup de choses autour de l'employabilité. Ma deuxième bataille s'appelle « Un diplôme, c'est bien, un emploi, c'est mieux ». Et j'essaye d'insuffler cet esprit que la jeunesse doit se focaliser sur son employabilité et nous, en tant que nation, on doit accélérer une employabilité qui malheureusement est très faible encore aujourd'hui en Tunisie et qui n'arrive pas à toucher les débouchés qu'elle mériterait dans le monde. C'est fondamentalement, à mon avis, une question de mentalité. Et la mentalité elle-même, les mentalités, généreront un modèle. La Tunisie doit trouver un nouveau modèle pour son développement, au sens large, pas uniquement économique. Le problème originel de la révolution est un problème socio-économique. Et malheureusement, la campagne électorale qui a eu lieu en Tunisie a complètement changé l'orientation des priorités, de la focalisation de tout le monde. Et on continue très malheureusement dans cette logique-là, c'est-à-dire nous parlons de toutes sortes de choses qui n'ont jamais vraiment été des problèmes en Tunisie, pour ne pas s'attaquer vraiment, franchement, et avec les sacrifices que cela sous-entend, à la problématique socio-économique. Il faut un nouveau modèle socio-économique. Il y a beaucoup de pays dans le monde dont on doit s'inspirer et qu'on ne regardait pas jusqu'à présent. Il faut qu'on recomprenne notre position géopolitique. Nous étions extrêmement orientés vers le nord, vers l'Europe, alors que nous avons une position géopolitique formidable pour regarder vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. On doit s'insérer dans une nouvelle dynamique sud-sud dans le monde, qui est une dynamique gagnante, et arrêter de travailler avec des pays qui finalement sont aujourd'hui en faillite. On doit travailler avec des pays qui sont en croissance. Et nous devons, pour ce faire, et cette nouvelle ouverture, diversifier notre capacité de travailler avec le reste du monde, ce qui sous-entend un impact culturel important chez nous. Ça veut dire diversifier les langues que nous parlons, ça veut dire diversifier les horizons vers lesquels nous regardons, et ça veut dire avoir une capacité d'interagir de façon tranquille, sereine et constructive avec une variété de cultures.